tous, j'espère que vous allez bien. Bon, moi c'est pas trop la grande forme, je suis un peu patraque aujourd'hui, peut-être un coup de chaud ou un truc comme ça. Mais bon bref, ça m'empêchera pas de vlogger aujourd'hui. Alors aujourd'hui, normalement, si vous nous suivez comme d'habitude, vous saviez qu'on devait récupérer le transformateur. Comment ça s'appelle, Tintin, la pièce qu'on doit recevoir? Quoi? L'alternateur. Voilà. Vous saviez qu'on devait recevoir aujourd'hui le nouvel alternateur, mais finalement, on a été pour aller le chercher et en fait, ils ne l'ont pas, ils ne l'auront que vendredi, et là on est mercredi, donc on s'est dit tant pis, on va quand même profiter de notre journée, vu qu'on peut quand même démarrer depuis qu'on l'a branché sur la batterie auxiliaire, grâce au panneau solaire, donc, et ben là, on est parti pour visiter le fort de San Miguel. Voilà, donc on va vous emmener visiter ça, on lâche rien et on essaye de profiter tous ensemble malgré tout, on peut quand même profiter donc ça c'est déjà pas mal. Regardez, il y a trop de lumière, mais on vient de je vais pas y arriver, on vient de quitter du coup Campeche pour aller un petit peu plus loin à la plage la plus proche qui s'appelle Playa Bonita. C'est vraiment une petite plage tranquille, c'est à 20 minutes de Campeche et puis voilà, j'arrive pas à regarder. Il y a la musique super fort, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais on vient d'arriver du coup à un petit parc aquatique à Campeche qui est gratuit. Genre truc de ouf, c'est un parc aquatique gratuit dans Campeche. Du coup Liam est aux anges. On n'est pas resté très longtemps à la plage parce que en fait on était dans un resto et ils étaient pas très sympas. Ils nous ont un peu poussé à la consommation et comme nous on n'aime pas ça, on est vite parti. Mais du coup voilà. Là, on va bien profiter de cet endroit. Il nous reste qu'une heure avant la fermeture, donc peut-être qu'on y reste et qu'on reviendra là demain. Mais du coup, Liam est trop heureux, quoi. En même temps, c'est énorme d'avoir ça gratuit dans la ville. C'est génial. Hop. Bon, on a fini le parc aquatique. On s'est posé au petit resto juste à côté. J'ai enlevé mon masque. Et du coup, pour attendre, on va au jeu parce qu'il y a également des jeux là-bas qui ont l'air sympathiques. Et Liam a envie d'y aller alors. Alors c'est parti ?
Et sur cette aire de jeu, il y a un truc que je trouve juste génial, c'est que en fait, genre, il y a des jeux, comme là, ce tourniquet, qui sont faits pour les personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite de manière générale. Donc ça, c'est génial. Et pareil sur les balançoires que vous avez vu juste avant, que je vous ai montré, là je peux vous les remontrer si vous voulez. C'est pareil, c'est pour les personnes en fauteuil roulant. Je trouve ça génial parce que c'est beaucoup trop rare. J'en avais jamais vu. Voilà, je trouve ça top. Regardez, je vous remonte pour que vous voyez comment c'est fait. Hop, c'est fait comme ça. Et la partie ici peut s'abaisser et comme ça, ben voilà, je trouve ça génial. Du coup, ben je comprends pas. Du coup, je comprends même pas que ça soit pas quelque chose de plus répandu en fait. Voilà, parce que franchement, top.